le cèdre, le patchouli et la mousse de chêne, et souvent finalement les trois en combinaison, sont une des matières premières que j'aime travailler le plus, sans doute parce que le cèdre en tant que tel, mais une fois de plus souvent associé avec le patchouli et la mousse, est l'accord qui me rappelle le plus les chais de la maison Hennessy. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de relancer ces deux parfums créés avec Alice Baker il y a presque 10 ans. Ce sont deux parfums presque mystiques, très ancrés dans la nature, ancrés dans le bois. Et je crois que c'est exactement ce dont on a envie aujourd'hui, comme deux fenêtres vers l'Orient. La forêt de cèdre au Maroc, c'est une des forêts les plus importantes au Maroc. Depuis toujours, le cèdre, c'est un bois de luxe, c'est un bois qui est parfumé, qui est précieux, qui est sacré. L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, elle se caractérise par son côté boisé, animal, lacté, plusieurs facettes, je dirais. Il est symbole aussi d'éternité. Il vit plusieurs centaines d'années. Ils utilisent son bois pour la décoration, même certains bijoux, certains meubles. Et donc il y a un côté qui est spirituel. Tous les meubles richement décorés sont faits à partir du bois de cèdre et qu'on retrouve dans les palais, dans les musées, dans les grandes maisons marocaines. La récolte, elle se fait sur 2 mois. On peut dire que l'huile essentielle de cèdre est issue d'une revalorisation des copeaux de bois de la Syrie. La sciure, dans les Syries, pour beaucoup de gens, c'est un déchet, c'est un sous-produit. Alors que pour nous, pour le parfum, c'est notre matière première. C'est la poudre sacrée qui révèle l'odeur unique du bois le plus précieux du Maroc. L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas est une huile essentielle que nous produisons par hydrodistillation ou par injection de la vapeur d'eau, procédé naturel et à l'eau. C'est une distillation à l'eau, simple. Récemment, on a été certifié pour le cèdre. L'État, via les eaux et forêts, assure la traçabilité de son exploitation. On respecte la protection de la forêt et on respecte l'être humain au milieu. Il y a un projet de reboisement au Maroc. Donc l'objectif d'ici 2030, c'est 50 000 hectares. La pépinière d'Azrou, elle est subventionnée par l'État et permet donc de reboiser la forêt de cèdre, notamment pour remplacer les arbres morts et même aller au-delà, de planter de nouvelles forêts.